Je vais vous parler de Régine, dont je ne vous ai pas parlé, puisque je ne l'ai jamais vue, sauf à l'adolescence, je l'avais invitée chez moi plusieurs reprises, et ensuite, bon, elle s'est volatilisée dans la nature. Elle rencontrait une espèce de hippie, une espèce de berger à Cahors. Et elle habitait là-bas, elle a eu plusieurs enfants, mais soi-disant qu'elle serait en dépression et que vraiment c'est chronique, c'est grave et c'est constant. Alors bon, pour vous la décrire, bon, elle était discrète, elle n'était pas, pour moi, elle n'était pas négative, loin de là. C'était une gentille jeune fille, très, très belle en plus. Voilà, alors Jonquille, j'espère que tu vas bien et qu'un jour on se rencontrera parce que tu es une des seules, tu es une des meilleures. Voilà, je te fais de gros bisous et que Dieu te protège.